match, bon, c'était une finale, c'est jamais facile à jouer. Je pense qu'on n'a pas fait un grand handball. Maintenant, dans la victoire, on est tous contents, on va passer une bonne soirée. C'est super bien que les filles aient pu gagner aussi. Du coup, on a ramené deux coupes cette année à Albi. Et voilà, ça fait une bonne note pour finir la saison et pour commencer la prochaine sur des bonnes bases. Toi, tu ne seras pas là? Et non, je ne serai pas là, mais je continuerai à suivre le club d'Albi. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Un petit mot pour tes fans? Ouais, j'avoue que ce n'était pas un grand match. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas refléter une saison entière sur un seul match. Je suis plutôt content, surtout collectivement qu'individuellement. Comme l'an dernier, c'était final mouton pour moi. Ben, du coup, je suis content. On a réussi à gagner 41-27, donc je suis content de la regagner. Puis ça me paraissait important quand même, parce qu'on était la seule équipe de Prénat à jouer la mouton. C'est pas le beau score, mais ouais, bon, on s'en fout. 44-29. On s'en calme. On l'a remis une branlée. 44-29, on est parti à moins 6. Moins 6, donc ça fait 44-23, ça fait plus 21. Sous une chaleur écrasante, parce qu'il faisait au moins 30-35 degrés dedans. Ouais, faisait chaud. Mais bon, une fois qu'on jouait, ça allait à peu près. Ouais. Ça allait à peu près, le plus dur, c'est de se mettre dedans. Bon, après, on a commencé. De suite, on a pris le match à main, on a remonté la carte. On est revenu à 2 buts, je crois. Là, ils tiennent un peu à peu près vers 12-10, par là, ils tiennent à peu près l'écart. À la mi-temps, vous passez devant d'un point. On passe devant. On a pour 2, je crois. Non, 3. 3 points. Et après, vous avez roulé. Ils ont un petit peu pété les plombs en fin de match. Ce qu'ils avaient servi, ils ont fait pas mal d'erreurs. On a profité, je pense. Faf les a peut-être un peu nargués. Très grosse mi-temps de Rémi aussi qui nous sort de superbes arrêts, on va pas à dire. Pas d'erreur colossale. Non, un match super sympathique à voir. Moi j'étais spectateur. Tout le monde m'a marqué. Oui, à peu près tout le monde m'a marqué. Même Chiquito. Surtout Chiquito. Chapiteau, oui, voilà. Pas plus à rajouter ici. Non, on a gagné. On est content. Merci. Ce soir, victoire des Sinon Garçons. Je parlais donc en tant que joueur, bien sûr, avant tout. Victoire des Sinon Garçons, une belle partie. Il y a eu du sérieux contre une équipe beaucoup plus faible, donc une victoire assez logique. Mais avec du respect, du sérieux, donc plutôt très positif pour clôturer une belle saison. On a joué donc, à la Coupe de France, on a fait les semi-finales, donc très très positif, un bilan très positif pour le groupe à mes yeux. Ensuite ben, les seniors filles aussi ont gagné donc, la Coupe Méton. Ça faisait très longtemps qu'on n'était pas rentré avec deux trophées, ça faisait très longtemps que les seniors filles n'avaient pas gagné une Coupe aussi. Donc ben, je pense que ça va leur faire du bien, ça va leur donner envie de continuer dans ce sens-là. Et si on continue tous à bosser dans le même sens et dans cette cohérence, je pense qu'on va aller très très loin et que dans le club du jour, on n'a pas fini de jeu défini. On a fait donc preuve, je reprends d'humidité, comme il dit Steph. Bien qu'il y avait quand même quelques soucis défensifs par moment sur la tenue du pivot et des choses comme ça, mais après on a quand même été très très solidaire dans toutes les phases du jeu et voilà, le score reflète bien la physionomie du match. Pour moi, il n'y avait pas photo, on mérite amplement cette victoire parce qu'on a produit et par notre qualité ce soir dans le jeu. Et ton avenir? Mon avenir, c'est plus un secret, maintenant c'est l'avenir professionnel qui domine, donc j'arrête la saison prochaine tant que je ne sais pas où je vais être. Donc c'est quand même le cœur lourd que je vais arrêter, mais il est aussi temps de laisser ma place aux jeunes et de prouver qu'ils le méritent. Non, match. Ouais. Chacun a donné autant qu'il pouvait, donc c'était sympa. Quoi. Ils ont tout donné, on les a respectés, on a tout donné. On a conclu une belle saison. Il a tout donné. On a tout donné, on a tout mis. Et bien sûr, pour les respecter, on leur en a passé 40. Voilà. C'est tout. 44. Donc je pense qu'ils ont dû revenir les valises pleines. Pour la deuxième fois, c'est cadeau. Et ça conclut une saison qui a eu du mal à commencer, mais qui, en deuxième partie de la saison, était beaucoup plus... La pelouse du stadium. Bien meilleure. Et toi, Arnaud, qu'est-ce que t'en penses? Ben ouais, c'est vrai que voilà, on a bien fini la saison avec un
un bon groupe, quoi. Il y avait plus de une, plus de deux. Il y avait des joueurs l'an dernier qui l'ont gagné en mettant, d'autres qui avaient joué la grande finale, celle des bons. Là, on a tous joué la finale des nuls, on s'est tous retrouvés ensemble, ça allait bien avec notre niveau. Et voilà, quoi, pas plus. Et puis l'important, c'était l'hygiène de vie. Mensana incorporé sans nous. Ah, exactement, surtout corporé sans nous. Surtout. Parce que le Mensana, on l'a pas, mais le corporé sans nous. Voilà. Regarde Loul, le Mensana. Il l'a lui. Voilà. Le corporé sans nous. Quand on voit Loul, on comprend ce que c'est une hygiène de vie. Voilà. Voilà, c'est tout. On est voilà, victoire en Coupe Méton, 44-29. Donc on fait un bon match. On avait un cœur de bien terminer la saison. Donc c'est chose faite. Tout le monde était sérieux, ça fait plaisir. Dès l'échauffement, l'échauffement gardien qui a été quasi parfait, je dirais. Tout le monde écoutait bien les consignes. On a fait un match plein de A à Z sans nos moments de trou. Comme on a l'habitude d'avoir, donc voilà, on était très heureux de faire ce match-là, de terminer la saison en beauté, sachant qu'elle a été très longue et pas forcément facile tout le temps, entre les blessés, ceux qui ont arrêté, etc. C'était compliqué, donc voilà, heureux aujourd'hui de terminer en beauté. Et c'est notamment satisfaisant par rapport à ceux qui m'ont arrêté, puisqu'on en a pas mal qui partent ou qui arrivent en balle, à Albi en tout cas, ou qui ne savent pas encore s'ils vont reprendre par rapport aux perspectives professionnelles. Donc pour tout cela, c'est super de finir comme ça.